Ce soir, je veux célébrer ton nom, je veux proclamer ta grandeur, je veux t'exalter, je veux te louer, Seigneur mon Dieu. Toi qui rends ce moment possible ce soir, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci pour cet autre jour, Seigneur, de ce merveilleux moment. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es là, Seigneur, et c'est toi qui préside ces instants. Merci, Seigneur, de nous conduire. Merci, Seigneur, de manifester ta présence et ta gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut encore mettre très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On se tient levé et on acclame le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, les chants, veuillez vraiment vous préparer davantage parce que nous allons monter dans peu de temps dans les adorations. Voilà, parce que, et comme vous le savez, quand on fait nos enseignements ici, on va doucement, doucement, doucement. Gloire à Jésus. Et au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance. Parce que c'est un moment merveilleux, un moment où nous devons vraiment élever la grandeur de Dieu. Mais pour l'heure, nous sommes en train, alors, d'aimer dans le Seigneur, de nous plonger dans la vérité de la parole, pour que cette parole soit dans notre cœur, que cette parole soit en nous, et que comme le Seigneur l'a dit, nous puissions alors nous attacher et que notre vie soit enracinée, alléluia, en Jésus, par la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons donc poursuivre notre série d'enseignements, nous allons prier un peu. Voilà. Et le thème de ce soir, c'est du baptême à l'onction du Saint-Esprit. Du baptême à l'onction du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, parler de l'onction du Saint-Esprit, c'est une étape cruciale dans la vie de celui qui est appelé à œuvrer pour Dieu, pour la gloire de Jésus de Nazareth. Et on parle de l'onction du Saint-Esprit à la deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, parce que ceux qui sont là déjà comprennent quand je parle de dimension. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, à ce niveau, il y a deux dimensions.
Il y a la première qui est la plénitude, être rempli. Nous avons démontré ici avec des images. Et qui fait de nous enfants de Dieu. Et cette dimension, c'est ce baptême encore plutôt à ce niveau du baptême du Saint-Esprit. Nous recevons le salut. C'est-à-dire, on peut appeler ça aussi le baptême du salut. Le baptême de la vie éternelle. Le baptême de la nouvelle naissance. Ou bien, le baptême en Jésus. C'est le baptême de la vie nouvelle. Alléluia. Et après cela, selon aussi que nous avons vu hier, c'est juste des révisions, donc je prends un peu ça et là, puisqu'il y a plus des enseignements. Nous avons vu qu'à ce niveau, on reçoit ou encore reçoit cette première dimension par la repentance. Par la repentance, par la vie de sanctification, par la vie de sainteté. Et c'est là que nous recevons la première dimension du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit, ou encore pour recevoir cette première dimension du baptême du Saint-Esprit, il faut pratiquer la prière de repentance. Cela voudrait dire quoi? Prier pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés, se confesser. Parce que quand on parle de repentance, c'est le changement de voie. Je partais comme ça, je change, je vais maintenant comme ça. Parce que c'est à ce niveau qu'on parle de conversion. On dit tu es converti. C'est quand on reçoit la première dimension du baptême du Saint-Esprit, qu'on dit maintenant je suis converti. Sinon premièrement là, où tu es allé à l'église, on t'a baptisé tôt là. Ça c'est pas conversion, hein. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Pour le moment là, tu n'es pas converti. Donc, c'est un abus de langage, c'est une erreur, un lapsus. Quand dès qu'on va à l'église, on dit, moi je me suis converti au Seigneur. Tu n'es pas encore converti. Tu as accepté le sous Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est à ce niveau qu'il y a la conversion. C'est pourquoi on appelle le baptême de la nouvelle naissance. Et après cela, on pratique la prière de repentance, hein, la prière de confession, c'est pas fini. On fait aussi la prière pour obéir au Seigneur, la prière pour demander au Seigneur de nous amener à vivre une vie d'obéissance à sa parole. La prière qui nous amène à demander au Seigneur de nous aider à nous attacher à sa parole et la prière de victoire sur la chair et ses désirs. Alléluia. Et à ce niveau encore, l'autre prière que nous faisons, c'est la prière pour vaincre la tentation, pour dominer les esprits du péché. Nous avons vu ça hier. Et à la deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Jean-Baptiste aussi a appelé le baptême de feu. Il n'y a pas trois baptêmes du Saint-Esprit. Un seul baptême, il y a des dimensions. Quand tu arrives à un niveau, il faut aller à un niveau supérieur. C'est ça qu'on appelle dimension. Voilà. Peut-être que vous ne trouvez pas le mot dimension dans la Bible, mais l'intelligence humaine, l'intelligence spirituelle nous amène à parler de dimension. Ce n'est pas le même niveau. Et pour aller à la deuxième dimension, qui est le baptême de feu, en plus des prières que nous faisons, que on a dit tout à l'heure, tu vas ajouter à cela maintenant une vie de prière, de consécration, où tu ne vis que par la prière, tu ne dors que par la prière, tu te réveilles prière, tu manges prière, tout ce que tu fais prière, tu prends des temps de prière, de retraite dans la prière, où tu ne dors pas, bien-aimé, tu veilles dans la prière.
pour demander au Seigneur de t'aider à obéir, à te soumettre, à faire la volonté de Dieu, ou tu dis au Seigneur, prends-moi totalement. Et fais de moi ton esclave. Alléluia. Et deuxième prière que nous faisons là, c'est la prière pour aimer notre prochain. Et troisième type de prière, c'est la prière d'intercession pour l'église, pour les âmes, pour les nations. C'est-à-dire quand tu vis de prière, tu pries pour toutes ces choses. Tout à l'heure, nous allons nous exercer un peu. Et tu pries aussi pour que le règne de Dieu vienne sur terre. Tu pries pour être un adorateur du Dieu vivant. Tu pries pour avoir une vie de louange, une vie alors qui vraiment, qui est consacrée totalement au Seigneur. Bien-aimé, quand tu vis comme ça, cette vie de prière, alors tu arrives à la deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau de la deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit, alléluia, c'est à ce deuxième niveau, ou encore à cette deuxième dimension du baptême du Saint-Esprit, que nous allons maintenant parler de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là que nous allons maintenant parler de l'onction. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, c'est important de le savoir. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très délicat. Donc, Dieu ne donne pas ça n'importe où, n'importe comment et à n'importe qui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Le Seigneur Jésus va lire une parole qui, à la vérité, va parler de lui. Quand il dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Avant-hier, j'ai parlé, mais je ne suis pas entré dans l'état, mais c'est aujourd'hui nous allons parler de ça. J'ai dit que, à la deuxième dimension, appelée le baptême de feu, le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes maintenant dans le feu. Alléluia. Vous vous rappelez bien? Voilà. Donc le Saint-Esprit nous couvre. Et j'avais dit que c'est là qu'on parle d'onction. Et c'est là qu'on parle de oint de l'Éternel. Mais l'élément, là, dans ce groupe-là, ce n'est pas tout le monde qui est encore oint de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, c'est là que se trouve le oint de l'Éternel ou le baptême qui fait de toi oint de l'Éternel, mais fils de Dieu. Mais nous allons voir cet élément important. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire nous parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et il est déclaré qu'il a été oint. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'onction. Alléluia. Quand tu reçois la première dimension du baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas encore reçu l'onction. Tu reçois le baptême de feu, qui est la deuxième dimension. Là, oui, tu as reçu le baptême de feu, mais il y a un autre dernier élément qui se trouve dans cette deuxième dimension qu'il faut atteindre. Et c'est là qu'on va parler de l'onction. Je répète, j'insiste pour qu'on comprenne, pour qu'on sache faire la part des choses.
Bien-aimé, on ne reçoit pas l'onction comme cela. Il faut être dans certaines dispositions. Parce que quand souvent on dit, ah, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu ne oint pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, la première dimension, que le Saint-Esprit à toi, que Dieu t'a oint. Tu n'es pas encore oint. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême de feu et que le feu de Dieu est sur toi, est autour de toi, et que tu as l'aspect de Dieu, que Dieu t'a oint. Tu n'es pas encore oint. Parce que, bien aimé, Dieu n'accorde l'onction qu'à ceux qui ont la connaissance vraie et approfondie de la parole. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui. Il ne va même pas dire. Et puis, dans sa vie de repentance sincère, Dieu le bâtit de son esprit et il reçoit la première dimension du baptême. Et il pratique la prière, comme on l'a vu tout à l'heure. Dieu le baptise de feu. Mais là, Dieu ne lui accorde pas d'onction. Dieu ne lui accorde pas encore l'onction. Et je ne sais pas si vous me suivez. Suivez bien le mot onction. Bien-aimé, je dis, quelqu'un peut commencer par sa vie de repentance. Il est sincère, il se repent, il vit la sanctification, il pratique la sainteté. Dieu le bâtit de son esprit, le remplit de son esprit. Il exerce, il manifeste les dons spirituels propres. Et il persévère dans la prière, il pratique. Mais parce qu'il reçoit le baptême de feu. Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. Mais en ce qui concerne l'onction, Dieu ne donne l'onction que à ceux qui ont reçu le baptême de feu, mais qui ont la connaissance de la parole. Ça, c'est le petit quelque chose qui va s'ajouter. C'est pourquoi l'onction est une consécration au ministère et à l'œuvre. Dieu ne va pas aller consacrer quelqu'un au ministère si la personne ne connaît pas la parole. Jamais. Parce qu'il est la parole. Ce n'est pas parce que tu pries simplement. Tu jeûnes, tu pries, et que le Saint-Esprit se manifeste que tu dis tu as l'onction. Jamais. C'est ça, c'est là l'Église souffre. Parce qu'il suffit simplement que quelqu'un reçoive le baptême du Saint-Esprit, première dimension. Déjà, il commence à dire, Dieu m'a oint. Il reçoit le baptême du feu, il dit, Dieu m'a oint. Non, Dieu ne t'a pas encore oint. Dieu ne oint pas quelqu'un parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu oint quelqu'un parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a reçu le baptême du feu et puis il a la connaissance de la parole. Parce que l'onction est une consécration au ministère et à l'œuvre. Comme si cette œuvre ou ce ministère était accompli par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, je l'ai dit, un nouveau chrétien ne peut pas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Non. Dieu ne fait pas ça. Tu connais quoi? Le Seigneur t'accorde l'onction
Après t'avoir jaugé, il te jauge. Est-ce que tu connais la parole? Après t'avoir pesé, est-ce que tu es lourd? Pour voir si tu es rempli de connaissance de sa parole. Si ce que tu enseignes, si ce que tu dis, si ce que tu proclames, si ce que tu prêches, si ce que tu déclares vient réellement de lui. Dans le cas contraire, il ne te donne pas l'onction. On va corriger beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? Aujourd'hui, chacun se lève un matin. Dieu m'a oint. Quelqu'un quitte le monde, il était en train de se promener comme ça. Il vient, il a chanté deux fois. Deux personnes sont tombées. Dieu m'a oint. J'ai l'onction. Tu n'as pas l'onction. Vous voyez, l'onction, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une formation, que ce soit une formation académique ou bien une formation professionnelle, et puis on vient pour le discerner, le diplôme, pour aller exercer. Mon ami, tu es vendeur de charbon, et puis tu te retrouves un coup, et puis là-bas, à l'université, je ne sais pas par quelle magie, et puis là-bas, on va te donner un diplôme pour dire que tu es professeur d'université, sans avoir reçu alors tes enseignements, sans avoir prouvé que tu as la connaissance. Non, frère, ce n'est pas comme ça. Parce que tu es dans une infirmerie, tu as fait piqûre des gens, des fois, nos fesses se sont enflées un peu. Et puis, matin, tu te lèves, tu dis non, j'ai reçu mon diplôme, je suis chirurgien, je suis docteur d'État. Mon ami, on va te mettre en prison. Tu es un menteur. Parce que l'onction, c'est le diplôme, le dernier que le Seigneur te décerne, te décerne. Il te donne pour dire voilà, avec ça maintenant, tu peux travailler. Mais tu vas aller travailler sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Parce que tu parles la langue? Jamais. Parce que tu prophétises? Jamais. Parce que tu... C'est là il dit que les langues passeront, ton temps passera, mais ma parole ne passera jamais. Dieu ne donne pas l'onction comme ça à n'importe qui. Alléluia. Est-ce que ce que tu dis, ce que tu enseignes, c'est un fondement biblique spirituel frais? Est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que tes prophéties que tu donnes, oui, il peut te donner l'onction pour prophétiser, mais est-ce que tes prophéties que tu donnes sont basées sur la parole? Non, frère. Il peut te donner l'onction pour être, c'est pas seulement prêcher, hein, mais tout ce qu'on fait dans l'église, on reçoit une onction pour ça. Et l'onction que tu reçois pour le travail que tu fais là, est-ce que tu as une connaissance? Est-ce que tu as appris? C'est pourquoi, sinon, moi j'ai reçu l'onction, je suis chanteur. Onction de chant, tu ne peux même pas composer un chant, des chants là, à la gloire de Jésus là. C'est quelle onction? Et puis ton chant qui chante là, c'est un chant que même les petits enfants peuvent chanter là. C'est ça qui est onction là. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça, frère. Tu es là? Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Quand Jésus dit, le Seigneur l'a oint, il a reçu l'onction. Il ne parle pas comme ça dans le vide. Parce que lui-même d'abord il a la parole, mais il a démontré qu'il a la connaissance de la parole. À l'âge de 12 ans. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? À l'âge de 12 ans, la Bible dit, à l'âge de 12 ans, dans le livre de Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 51. Déjà à 12 ans, Jésus démontre qu'il a la connaissance de la parole. Faut dire amen, s'il te plaît. Faut dire bon amen, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu lis même pas la Bible, tu médites pas, tu,
Tu connais même pas un verset biblique. Tu peux même pas interpréter quelque chose. Tu dis, j'ai l'onction pour être prédicateur. J'ai l'onction pour prophétiser. Tu dis quoi au juste réellement? Est-ce que ce que tu dis là, ça peut édifier qui? Tu n'as pas de quoi? Quand tu vas venir prophétiser, ah, prophète Élie, je suis l'éternel. Tu vas partir en France, je suis l'éternel. Tu vas avoir des jumeaux, je suis l'éternel. Tu vas faire ceci. Ça, c'est l'onction des prophéties. Hein. Ça, là, n'importe qui peut ramasser ça pour dire. Hein. Même je peux déclarer comme ça va s'accomplir. Dans tout ce que je vais raconter là, je vais me mettre à prophétiser ici n'importe comment, mais au moins d'ici 10 ans là, au moins ce qu'il dit là pour que quelqu'un va s'accomplir dedans. Tu vas dire non, il a prophétisé, que la prophétie t'attend là, tu as menti. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, s'il te plaît? À l'âge de 12 ans, dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41, il est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il avait la connaissance de la parole. Tout est parti de là, premièrement. Il avait la connaissance de la parole. Après la connaissance de la parole, alors maintenant, vont venir, vous allez voir le reste maintenant, dans Luc chapitre 4, il va passer ton temps à prier dans Luc chapitre, dans le même de Luc, au chapitre Luc chapitre 4, maintenant, voilà, et à partir du verset 1, Jésus, alors, va prendre des moments de jeûne intense, il va prier intensément pendant des jours, alléluia, 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, il va prier, et quand il va prier, bien aimé, il sera rempli de l'Esprit, il sera baptisé de il va recevoir le baptême de feu au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, les trois sont réunis. C'est pourquoi il dit, le Seigneur m'a oint. Il a été oint. Il a été oint. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que toi qui dis que Dieu t'a oint là, tu connais quoi de la Bible? Dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui dit, ah, moi le Seigneur l'a oint. Et je ne dis pas le nom. Et je lui ai dit, bon, on va lire la parole de Dieu. C'est quel livre j'ai donné, non? J'ai donné un livre là, mon ami, un livre de... Mais je ne sais pas, pour trouver le livre de la Bible, mais il avait tous les problèmes. J'étais assis comme ça, je le regardais. Alléluia. Je le regardais, il tourne. J'ai dit, mon frère Yako, voilà quelqu'un qui est loin, qui ne peut pas trouver un seul livre. Je n'ai pas dit verset. Hein. J'ai dit simplement le livre. Je vais parler encore dans le passage. Verset. Livre seulement là, il ne peut pas trouver. Il vient ici. Il vient là. Non? Non? Je ne sais pas quel livre j'ai donné. Non. J'ai donné un petit livre là. Non? Il dit, mon ami, il faut aller dans lexique là. Hein? Voilà, un peu, voilà, là-bas tu vas trouver et la page. Voilà, là au moins tu pourras te chercher. Voilà quelqu'un qui est loin. Va dans table de matière et puis tu vas trouver. Ah oui, oui. Il dit, bon, ça c'est page, voilà, 1200 et quelques. C'est là maintenant, il dit, voilà, un loin. Ça c'est un loin qui est là comme ça. Alléluia. Alléluia. Qui veut être un oint de l'Éternel?
Si tu veux un oint, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'être un oint, mon ami, il faut manger ça. Mange. Dis à ton voisin, tu veux être un oint, il faut manger la parole de Dieu. Bon, il y a des gens qui vont me dire qu'ils ne savent pas lire. Ouais, si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Dieu peut oint quelqu'un qui ne sait pas lire à une condition. Dieu merci, tu n'es pas sourd. Donc, quand tu en prêches la parole de Dieu, tu entends. Quand on prêche la parole de Dieu, tu entends. Et ce que tu entends là, bien-aimé dans le Seigneur, alors ça te permet de pouvoir marcher et tu obéis à ça. Alléluia. Tu obéis à ça et Dieu est glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer. Et Jésus est oint sur la base de ce qu'il avait la connaissance de la parole. Et aussi parce que il était rempli de l'esprit, il a reçu aussi le baptême de feu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pourquoi on définit alors l'onction comme étant connaissance de la parole plus baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli et recevoir le baptême de feu. Quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, et on n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance, Dieu encore a oint des personnes. Et je vais prendre deux exemples et nous allons comprendre. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que quand on parle de l'onction là, voilà les principes pour que Dieu oint quelqu'un. Ça, c'est pour qu'un vrai oint de l'Éternel, je dis un vrai oint de l'Éternel, voici les trois conditions. Maintenant, quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, bien sûr, Saül, qui est roi, ou bien qui était un jeune homme, sera oint. Dieu va ordonner que alors Samuel le oigne pour qu'il devienne alors roi. Peu de Dieu, si on te oint, ou si Dieu ordonne que tu sois oint, ou si tu es oint sans avoir la connaissance de la parole de Dieu, l'onction va devenir un danger pour toi. C'est pourquoi l'onction, en même temps que ça élève, l'onction tue. Alléluia. Alléluia. En même temps, l'onction élève, en même temps, l'onction tue. Peuple de Dieu, Saül a été oint sans avoir la connaissance de la parole. Mais il a été oint pour sa beauté. Il a été oint pour son allure, qui était vraiment, c'était un jeune homme très élégant. Et c'est sur cette base qu'il a été oint. Alléluia. C'est sur cette base que Samuel a été oint. Quand nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 9, du verset 1 au verset 2, Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. Il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bokarat, fille d'Afiat, fille de Benjamin. C'était un homme
fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül sera oué sur ordre de Dieu pour sa beauté. Bien-aimé, je dis bien pour sa beauté et pour son allure. Pourquoi? Au fait, Dieu ne voulait pas que Israël ait un roi. Mais Israël insistait. Israël voulait coûte que coûte un roi parmi les hommes. Mais Dieu voulait être le seul roi d'Israël. Bien-aimé, à force d'insister, Dieu va prendre comme ça quelqu'un au hasard. C'est-à-dire, à la vérité, ce n'est pas selon le cœur de Dieu lui-même, mais il va choisir quelqu'un pour dire, « Bon, toi, tu seras le roi de mon peuple. » Alléluia. Tu seras le roi de mon peuple. Et donc, Saül plutôt va devenir le roi d'Israël. Mais quand il devient le roi d'Israël, il n'avait pas la connaissance de la parole. La suite, nous connaissons. Qu'est-ce qui va arriver à Saül? Vous pouvez le voir dans 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 9, verset 16 au verset 18. Samuel chapitre 10 verset 1. N'ayant pas la connaissance de la parole, bien-aimé, que va-t-il arriver donc à Saül? Bien-aimé, il va perdre alors. On va donner un cantique pour appuyer. Les chocs, levez-vous, vous allez donner un cantique. Venez. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Il m'a donné la vie. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi.
Merci. Alléluia. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, ça a été un délestage et une coupure de courant. Donc, c'est ça qui a crié cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de... Voilà, je parlais de Samuel, de Saül plutôt. Et donc, Saül n'avait pas la connaissance de la parole. Il ne connaissait pas véritablement Dieu, quoique il soit un petit hébreu. Mais, bien-aimé, quand il sera oué par Samuel, peuple de Dieu, son règne ne va pas durer. Son règne ne va pas durer. Alléluia. Le règne de Samuel, de Saül plutôt, ne va pas durer. Gloire à Jésus. Quand nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 au verset 2, j'ai lu ça tout à l'heure, et le chapitre 9 toujours, du verset 16 au verset 18, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Voilà, tous ces passages nous présentent un peu comment est-ce que Saül a été oint. Saül a été oint par Samuel. Au chapitre 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc Saül sera oint. Mais quand vous voyez la suite, dans la vie de Saül, il va commettre des fautes. Il va démontrer aux yeux de tous qui ne connaissent pas l'Éternel. Alléluia. Il va même jusqu'à aller consulter une magicienne et il va aller se prosterner devant des esprits. Vraiment, il va déchirer l'habit du roi, du prophète Samuel. C'est-à-dire, sa vie démontre qu'il ne connaît pas l'Éternel. Alléluia. Donc, cette onction-là a été pour lui, pour Saül, une occasion de chute. L'onction ne l'a pas aidé. Alléluia. Là, il a été oué, ça ne l'a pas aidé. C'est pourquoi, bien-aimé, la véritable onction qui vient de Dieu, quand Dieu donne cette onction qu'à ceux qui ont la connaissance de la parole. Parce que quand tu as l'onction, tu deviens totalement, je dis bien complètement, totalement Christ. Donc du coup, Satan va s'attaquer à toi de la manière la plus terrible possible. Parce que ceux qui ont l'onction sont combattus plus qu'eux. Parce qu'avec Dieu, le combat qu'on mène, c'est par degré, par niveau. Celui qui est encore nouveau, alors le diable combat doucement. Parce que c'est encore un enfant, c'est encore un bébé. Et celui qui alors atteint maintenant, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il a un niveau, c'est-à-dire les attaques là, ça s'élève un peu. Et celui qui est baptisé de feu, les attaques encore augmentent. Celui qui est oué, là même, c'est toute l'armée de Satan même qui vient contre toi. C'est toute l'armée de Satan qui va venir se lever contre toi pour te faire la guerre. Pour te faire la guerre. Et ils viennent, ils sont sans pitié. Alléluia. Ils sont sans pitié, ils t'attaquent de toute leur force. Le diable va t'attaquer. Il va chercher à te détruire, à te briser, à te ruiner totalement. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu es mort. Si tu n'as pas la vie de prière, de consécration, tu es mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi l'onction, c'est bon, mais l'onction a des... Il y a des risques.
Mais tu ne peux pas dire que je veux vivre sans avoir l'onction. Il faut aspirer à ça. Il faut chercher celui-là. Alléluia. À la différence de Saül, va venir David. David aussi sera oué. Mais très tôt, David va démontrer, bien-aimé, qu'il connaît l'Éternel, qu'il connaît la parole, qu'il a la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le même Samuel va oindre David, dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 24 au verset 26, il va se trouver que il y aura la guerre de Israël contre les Philistins. Et cette guerre-là, qu'est-ce qui va se passer? Et David va se retrouver là-bas, envoyé par son père, pour apporter la nourriture à ses frères. Et dans 1 Samuel, chapitre 17, quand il arrive, verset 24, suivez bien, là, il a été oint, mais sur quelle base? Et il démontre qu'il a la connaissance de Dieu. Dans 1 Samuel 17, verset 24 au verset 26, il est dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, il parle de Goliath, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, ce circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il démontre que lui, il a la connaissance de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Alléluia. Et quand on va plus loin, du verset 34 au verset 37, qu'est-ce qui se passe? Voyez, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il démontre que lui, il a la connaissance de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand on va encore plus loin, verset 45 ou verset 46, vous voyez, David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, est-ce que David et puis Saül sont les mêmes? Qui est le vrai oint de l'Éternel ici? On peut me répondre, qui est le vrai oint de l'Éternel? Alléluia. Le vrai oint de l'Éternel ici, c'est David. Et il le démontre par A plus B, à travers ses proclamations, ses déclarations, il démontre qu'il est un oint de l'Éternel parce qu'il a la connaissance de l'Éternel, du Dieu vivant. Il a la connaissance de ce Dieu-là. Bien-aimé peuple de Dieu, tu dis tu es un oint de l'Éternel. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles que tu déclares? Quelles sont les paroles que tu dis? Quelles sont les paroles que tu annonces? Quels sont tes propos? Tout ce que tu dis, est-ce que c'est fondé sur la parole? Est-ce que ça vient de la parole? C'est ça, on voit le vrai oint de l'Éternel.
Alléluia. Donc, avec cette onction, qui est une onction vraie, authentique, et Dieu l'a pesé, l'a jaugé, il a vu que David était oint de l'Éternel, parce que le vrai oint, il a la connaissance de la parole. Et David était un homme de prière. David était un homme qui cherchait Dieu. David était un homme qui allait devant la face de l'Éternel. Il était constamment en relation avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, avec cette onction, David a régné dans la gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la nouvelle alliance aussi, le Saint-Esprit n'accorde pas, ou le Seigneur n'accorde pas l'onction du Saint-Esprit à n'importe qui. Il faut vraiment avoir la connaissance de la parole. Mais pourquoi avoir l'onction? L'onction nous fait devenir comme ceci. L'onction du Saint-Esprit nous rend comme ceci. Vous voyez, descend au fur et à mesure, on devient comme ça. Descend au fur et à mesure, voilà. L'onction nous fait devenir comme cela. Hier, avant-hier, nous avons présenté un chrétien qui a seulement le baptême de l'esprit à la première dimension, c'est-à-dire cette première dimension de baptême, là où il est simplement rempli. Là où il est simplement rempli. Quand il est simplement rempli, c'est encore là qu'il est là. Vous voyez toujours en bleu là. Est-ce que vous voyez? Il est rempli. Ce bleu là, normalement, ça doit être violet. Parce que le Saint-Esprit n'a pas violé, mais ce n'est pas grave. Ce bleu, ça prouve qu'il est rempli. Le feu qui est là, ça prouve qu'il est baptisé. Il a reçu le baptême du feu. Alléluia. Alléluia. Mais regardez maintenant, il a l'onction. Vrai, il est équipé. Le casque du salut, le bouclier de la foi, et comment on appelle ça même, la cuirasse de la justice, et les chaussures qui sont le zèle qu'on a, voilà, parce que celui qui a l'onction, il a du zèle, le zèle de l'évangile. Quand on parle de Jésus seulement, il est toujours prêt. Même quand il pleut, voilà, même quand il pleut, il va rentrer sous la pluie pour venir. Quand on dit évangélisation, même si on doit faire 100 km à pied, il est prêt à partir. Ça, c'est le zèle qu'il a. Ça, c'est le zèle qui constitue les chaussures. Et il a la ceinture, la vérité, c'est-à-dire il marche selon la vérité de la parole. Et il a maintenant là l'épée qui est alors l'arme hein, du Saint-Esprit. Et ça, le Saint-Esprit utilise. Et regarde autour de lui ici, c'est des anges qui veillent. Partout où il va, les anges sont autour de lui. Est-ce que là-bas vous voyez? Alléluia. Voilà, caméraman, tu mets un peu comme ça et puis voilà, tu quittes à côté là un peu, ils vont voir. Il faut serrer un peu. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est celui qui a. Alors, et là, ici. Vous voyez, il marche sur quoi? Il marche sur les serpents et sur les scorpions. Voilà. Il marche sur les serpents. Il marche sur les serpents. Voilà. Il a
Parce que tout ça, tout son équipement ici, c'est la parole. En fait, tout l'équipement qu'il a là, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. Que ce soit et le casque, salut, que ce soit et qu'on appelle ça le bouclier, qui est la foi qu'il manifeste, que ce soit alors la cuirasse, la justice, la ceinture qui est la vérité de la parole, que ce soit le zèle qui reprend les chaussures, voilà, tout ça c'est la parole. Et il est dans la gloire, les anges sont autour de lui, les anges l'accompagnent, les anges lui servent, les anges veillent sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est à l'onction, c'est Jésus même qui est là même. Alléluia. C'est Jésus qui est là. Donc si tu as l'onction, tu es comme ceci. Donc bien aimé dans le Seigneur, là où nous sommes en train de parler des âmes spirituelles, toutes les âmes au complet sont pour ceux qui ont reçu l'onction. C'est pourquoi tu vas t'arrêter où? Tu vas t'arrêter simplement à être rempli du Saint-Esprit? Hein? Alléluia. Tu vas t'arrêter là? Tu vas t'arrêter à être baptisé du feu? Non, il faut aller au bout. Il faut avoir l'onction. Alléluia. Quand on parle de l'onction ici, l'onction dans le domaine dans lequel le travail dans lequel tu exerces, le qu'on appelle ça, là où Dieu t'appelle, là où tu vas œuvrer, il faut que tu reçoives l'onction là. L'onction pour évangéliser, l'onction pour prêcher, l'onction pour prier, l'onction pour visiter les malades, l'onction pour soutenir les veuves, les orphelins, l'onction de la libéralité. Là encore, il y a l'onction. Hein? Quelqu'un qui a l'onction de la libéralité, il donne sans calculer. Pendant que toi, tu réfléchis, si je donne ça, j'ai fait comment pour manger, lui, l'onction qu'il a reçue, parce que lui, il donne seulement, il s'en fout. Alléluia. Il devient comme Jésus. Jésus, il a cette onction, Dieu l'a oint. Donc, parce que Dieu l'a oint, quand il donne sa vie, même, il fait même pas cas de sa vie. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'onction, c'est pas seulement celui qui va prêcher ou bien celui qui va prier. Quand tu as l'onction pour évangéliser et quand tu vois ta parole, le message que tu prêches, c'est la vraie parole. C'est pas pour aller insulter les gens, aller et calomnier les autres communautés, aller insulter les autres communautés. C'est pas ça l'onction pour évangéliser. Celui qui a l'onction pour évangéliser, quand il s'en va, il présente Christ, il présente l'œuvre de la croix, il présente ça dans la vérité selon Dieu. Alléluia. Il y a l'onction pour chanter. Oui, quand tu as l'onction pour chanter, pendant que tu chantes, tu es comme ça. Mais quand tu chantes là, le diable était, Lucifer était chargé de l'adoration. Donc quand les gens chantent là, on les attaque spirituellement, hein. Tu peux, on vient de s'arrêter là pour chanter et puis pour distraire les gens. Tu es attaqué. Mais quand tu as l'onction, pendant que tu chantes, tu ne te vois pas. Et c'est comme ça que tu es. Hein? Tu es armé, équipé. Alors, les anges sont autour de toi comme ça. Alléluia. Les anges sont autour de toi. Même dans quelque activité que ce soit. Même pour balayer la cour, il y a l'onction de ça. Quand tu as l'onction, même pour balayer la cour, pendant que tu es en train de nettoyer la cour là, c'est comme ça que tu es présenté spirituellement. Alléluia. Tu es présenté spirituellement comme ça. Même si tu es attaché à un morceau de paillot, mais ça c'est physiquement, mais spirituellement c'est comme ça. Quelqu'un qui a l'onction pour nettoyer, quand il vient à l'église, quand il voit un bout de papier seulement là, ça t'émeille dans son corps. Mais toi, quand tu n'as pas l'onction de ça, toi-même tu jettes peau de banane, tu jettes peau d'orange, tu jettes feuille, tu t'es pas, tu rentres, c'est pas ton problème, ça te dit rien. Donc à tous les niveaux, il y a une onction. Mais dans le cas précis, là où nous sommes en train de parler, il faut que le Saint-Esprit qui est venu, alors l'onction que tu vas recevoir, cette onction te qualifie sur la base de la connaissance de la parole de Dieu et sur la base de ta vie de prière.
quelle que soit l'activité que tu mènes, pour que tu aies l'onction, tu dois prier. Tu dois gêner, tu dois prier. Tu as la jeunesse, tu dois gêner, tu dois prier. Tu dois tout faire. Et c'est en ce moment le Seigneur, il t'accorde l'onction. Et là, bien aimé, il y a... Vous voyez, je donne une image. Voici deux personnes qui chantent. Voilà une personne qui est arrêtée ici. Qui chante. La personne qui est ici a reçu l'onction pour chanter. Celle-ci n'a pas reçu l'onction pour chanter. La personne qui a reçu l'onction pour chanter, pendant qu'elle chante, elle danse correctement. Alléluia. Même si les choses ne vont pas bien, mais ses forces continuent. Vraiment, et chaque jour, il apprend, il essaie d'apprendre, il essaie d'avoir, d'acquérir de la connaissance pour pouvoir produire des choses à la gloire de Dieu. En venant de la maison déjà, il a commencé à préparer 2 chants, 3 chants. Et il vient, il s'arrête, il dit, pianiste, on dit, je vais chanter ça et ça. Commence à préparer. Oh, batteur, voilà mes chants. Les frères, moi, voilà les chants que j'ai préparés. Voilà quelqu'un qui a reçu l'onction du chant. Lui là, il s'élève là-bas. Il quitte sur lui. Quand il vient, roi. J'ai chanté quoi? L'heure de la victoire! Non, c'est pas ça, non. Non, faut jouer doucement. L'heure de la victoire, de la vérité, à son. Oh, vraiment, répondez bien. On te voit, on sent même que toi-même, là, tu te démerdes, tu te débrouilles, tu n'as rien prévu, ça te dit rien. Voilà, un homme comme ça, une personne, tu as l'onction pour chanter, de toi à moi, là. Tu as l'onction? Tu penses le chant que tu vas faire, là? Les chants, ce que tu vas produire ici, là. Le Seigneur va te glorifier dans ça. Parce que le but de l'onction, Dieu veut glorifier ses enfants. C'est au niveau de l'onction que Dieu te glorifie. Dieu rend grand ton nom. Parce que ce que tu vas faire là, c'est pas toi. Dieu est dedans. Le Seigneur est dedans. Le Saint-Esprit est dedans. Et tout ce que tu vas faire, bien aimé, ça va réjouir le cœur du Seigneur. Il va t'accompagner. Mais ce que tu as fait là, est-ce que le Saint-Esprit va t'accompagner? Il ne va pas t'accompagner. Il ne va pas t'accompagner. Et quand tu chantes, tu fais des choses, c'est plat. Il n'y a rien de bon dedans. On ne comprend rien. Et tu as fait 10 ans de ministère de chanter. Bon, il n'est pas ministère de chanter. On n'en voit pas d'évolution. Rien. Rien. Alléluia. C'est pareil à tous les niveaux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, regardez, quand... Quand le Saint-Esprit est venu, l'objectif du Seigneur, c'était que les disciples, les apôtres, parviennent à être oint. Qu'ils parviennent à l'onction, qu'ils soient oint. C'était le but, l'objectif de Dieu. Qu'ils soient oint pour que lui, il soit capable d'accomplir de grandes choses. Parce que celui qui est oint, il accomplit de grandes choses à travers la mission qui lui est confiée ou l'œuvre qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui reçoit l'onction devient semblable à Christ à 100%. Il devient semblable à Christ à 100%. À 100%. Et là, la dernière partie, parce que c'est à ça qu'il faudrait que nous parvenions à recevoir tous l'onction. Bien-aimés, l'onction est accordée pour une mission précise confiée à celui qui la reçoit. Quand tu reçois l'onction, il y a une mission précise que Dieu te confie. Une mission précise que Dieu va te confier. C'est pourquoi l'onction ne s'achète pas, l'onction ne se commercialise pas, l'onction ne se donne pas
de père en fils, l'onction ne se donne pas d'un corps à un autre. L'onction, bien aimé, ne se donne pas par simple imposition de main. C'est toi qui vas recevoir l'onction, c'est toi qui dois payer le prix. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour terminer, sachez que celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, tout ce qu'il possède aussi est oint. Cela voudrait dire quoi? Dans le livre de Matthieu, de Marc, chapitre 5, du verset 24 au verset 31, Marc chapitre 5, verset 24 au verset 31, on parle de Jésus qui était oint avec la femme qui perdait du sang. Cette femme qui perdait du sang, bien aimée dans le Seigneur, parce que Jésus était oint, son habit aussi était oint. Il a suffi qu'elle touche l'habit de Jésus. Et puis, puisque l'onction était dans son vêtement, alors elle a reçu la guérison. Alléluia. Elle a reçu la guérison. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 19, du verset 11 au verset 12, on parle de Paul. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Parce que Paul a reçu aussi l'onction. Paul a reçu l'onction, bien aimé dans le Seigneur. Il est dit que le mouchoir de Paul, il suffit simplement qu'on l'applique aux malades. Les malades sont guéris. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans Actes chapitre 5, verset 15, on parle de Pierre. Actes chapitre 5, verset 15. Parce que Pierre a reçu l'onction, son nombre. La Bible dit que tellement Dieu faisait des choses, le Saint-Esprit, à cause de l'onction, alors ils ont mis les malades, les ont alignés de sorte que quand Pierre passe, pour que son nombre les touche et qu'il soit guéri. Effectivement, ça se produisait. Alléluia. Et quand nous retournons dans l'ancienne alliance, on parle du prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 18 au verset 22, 1 Roi chapitre 17, verset 18 à 22, le prophète Élie, tout son corps était oint. Au point que quand le fils de la veuve de Sarepta était mort, alors, vous lisez bien, Élie a prié, il prie, l'enfant ne revient pas à la vie, finalement, il s'est couché sur l'enfant, il a fait du corps à corps, et l'enfant est ressuscité. Alléluia. Quand nous voyons dans 2 Rois chapitre 4, verset 29, là, on parle maintenant de Élisée. 2 Rois chapitre 4, verset 29. Le bâton d'Élisée était oint. Parce qu'il a reçu l'onction. Tout ce qu'il a aussi est oint. Le bâton d'Élisée était oint. Et quand la femme tsunamite était venue pour lui parler du cas de son enfant, alors, bien-aimé, Élisée a dit à son serviteur Géasi, prends mon bâton, quand tu vas partir, touche l'enfant, l'enfant va revenir à la vie. Est-ce que tu peux dire amen, s'il te plaît? Le même Élie, son manteau, son habit aussi comme Jésus, il était oint, son manteau aussi était oint. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 12 à 14, 2 Rois 2, verset 12 à 14, bien-aimé, nous connaissons l'histoire d'Élie avec Élisée. Quand Dieu l'a enlevé, Élisée a pris son manteau. Il revenait, il devait traverser le Jourdain. Il a pris le manteau d'Élie, il a frappé l'eau. Et alors, le Jourdain s'est séparé en deux. Et il a traversé. Et Jésus encore, ou encore Moïse,
Moïse était oint, son bâton, il a pris pour frapper la mer, simplement. Alors, la mer s'est séparée et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Alléluia. Et Jésus était tellement oint que sa salive, sa simple salive. Dans Marc chapitre 7, du verset 31 au verset 35, où Jésus, Marc chapitre 7, verset 31 au verset 35, où Jésus alors va croiser un sourd-muet. Il va prendre sa salive et il va toucher la langue du sourd-muet et il va commencer à parler. Et dans Marc chapitre 8, verset 22 au verset 26, cette fois-ci, alors il va utiliser sa salive pour que les yeux d'un aveugle s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, il veut accomplir des prodiges de quelque manière que ce soit. Alléluia. Le Saint-Esprit est prêt à accomplir des prodiges pour que notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur soit puissamment glorifié. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur accorde l'onction pour que la personne qui, au travers de qui le Seigneur va opérer soit à la même dimension que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais je termine pour dire ceci. Celui qui est oint a souvent des actes difficiles à comprendre, très compliqués à comprendre, ce qu'on appelle communément les actes prophétiques. C'est imprévisible. C'est imprévisible. À tout moment, quelque chose qu'il peut prendre, qu'il peut toucher, il peut te dire de faire, et puis alors, un miracle se produit. Parce que le oint, bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il appartient, tout est oint. Et il fonctionne vraiment par la foi. La volonté de Dieu est que par le Saint-Esprit, nous tous, nous soyons oints. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, dans ce programme, fais-moi la grâce d'atteindre le niveau de l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, que le Seigneur te fasse atteindre la dimension de l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne veut pas te laisser simplement être alors rempli de l'Esprit ou être baptisé de feu. La volonté de Dieu est que nous atteignions tous la dimension de l'onction du Saint-Esprit. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur bien-aimé.
Demande au Seigneur, Dieu tout bien-aimé dans le Seigneur, ô Saint-Esprit, je ne veux pas rester au stade du baptême à la première dimension, mais je veux atteindre l'onction. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu veut t'accorder la grâce de l'onction de l'Esprit de Dieu. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur t'amène à cette dimension de l'onction. Prie le Seigneur, bien-aimé. Que le Seigneur t'amène à une dimension de l'onction du Saint-Esprit. Parce que sans l'onction de l'Esprit de Dieu, tu n'as pas tout le revêtement spirituel des âmes de Dieu. Parle au Seigneur, dis Seigneur, tu m'as appelé et tu as envoyé ton esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas rester simplement à la dimension de la plénitude ou du baptême de feu, mais je veux avoir l'onction de l'esprit. Il est la voix, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Nous allons encore revenir à ça quand nous allons parler des dons spirituels. Mais pour le moment, c'est un survol. Nous allons approfondir tous ces enseignements. C'est pourquoi demande au Seigneur, accorde-moi la connaissance de ta parole, papa. Donne-moi d'avoir la connaissance. Que je sache lire ou que je ne le sache pas lire. Dis au Seigneur, je veux avoir la connaissance de ta parole. Je veux pratiquer ta parole, Seigneur. Il est la voix, il est la voix, il est la voix. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole, même si l'Éternel, alors, te voyant dans ton zèle, ou que s'il y a un besoin urgent dans l'église, et que Dieu t'accorde l'onction, cette onction va te mettre dans des problèmes.
Celui qui a la connaissance de la parole se réfère toujours à Dieu. Et quand il parle, il met le Seigneur au devant. Comme David. Bien-aimé, prie. Le temps est venu pour toi, pour moi, pour chacun de nous, bien-aimé. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que l'Église, dans son ensemble, reçoive l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, allez-y, enseignez-leur à garder ma parole, enseignez-leur ma parole. Allez annoncer la bonne nouvelle, enseignez ma parole, qu'ils reçoivent la parole, afin qu'ils puissent alors recevoir l'onction. Parce que si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la vraie parole, tu ne peux pas recevoir l'onction. Le Seigneur ne peut pas te qualifier, il ne peut pas t'accorder son onction. L'onction du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, parce que tu veux avoir l'onction de l'Esprit, qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie de prière change totalement. Bien-aimé, je le dis, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir toutes les âmes du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Toutes les âmes du Saint-Esprit dans leur entièreté sont réservées à ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux relever la tête et puis prier de tout ton cœur? Celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, c'est celui qui a l'amour de l'œuvre de Dieu, du travail de Dieu. Il a le zèle. Prie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sans l'onction du Saint-Esprit, tu deviens alors un chrétien faible, un chrétien faillible, un chrétien, oh bien-aimé, que le diable va détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'onction de l'Esprit. Et quand tu as l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, tu deviens imprévisible dans tes actes, dans tes actions, dans tout ce que tu dis, tu fais. Mais à travers tout ce que tu diras, tu feras, le Seigneur sera glorifié. Bien-aimé, faut prier. Oui, quand tu auras l'onction de l'Esprit de Dieu, oui, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu veux faire, fais-le. Le Seigneur va glorifier son nom. Tu ne vas pas entendre seulement, tu ne vas pas attendre seulement d'entendre la voix de Dieu. Mais tout ce que tu auras envie de faire, fais-le. Mais tu le fais dans la gloire de l'Éternel. Le Seigneur sera glorifié. Je n'ai pas dit d'aller commettre le péché. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu auras l'onction du Saint-Esprit,
tu deviens un être extraordinaire. Oh, bien-aimé. Ça, c'est important. Je dis, on reviendra à cela. Mais pour le moment, il faut que tu comprennes. Oh, bien-aimé, 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 bien-aimé. Il faut que tu pries, il faut que tu pries. Jésus avait l'onction, son habit guérissait le malade. Paul avait l'onction du Saint-Esprit, son mouchoir guérissait le malade. L'homme de pierre guérissait le malade. Le corps d'Élie guérissait le malade, ressuscitait les morts. Le bâton d'Élisée guérissait le malade. Le manteau d'Élie a permis de séparer la mer rouge. Le bâton de Moïse séparait la mer. Le manteau d'Élie plutôt le Jourdain. La salive de Christ a fait parler un sourd-muet et a ouvert les yeux d'un aveugle. Tu vas faire des choses extraordinaires par l'onction du Saint-Esprit. Celui qui a l'onction, il devient extraordinaire. Il devient surnaturel. Tu vas ordonner même que un malade prenne un verre d'eau pour boire simplement. Là où le verre, l'eau, on boit simplement pour étancher la soif. Toi, tu vas prier l'eau sur lui, tiens, bois, il est guéri. Ce qui te viendra à cœur en pensée de dire, tu vas dire à quelqu'un, je dis, tu salues seulement une personne, tu lui tends simplement la main, tu dis, reçois la guérison, il est guéri. Même le nom de Jésus, simplement que tu vas dire, les cœurs sont touchés. Quand tu auras l'onction du Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas venir prendre ton habit, ta chaussure pour aller te faire du mal. Mais quand il va soulever ta chaussure, il va tomber. Et tout ce qui t'appartient est loin. Merci Seigneur. Alléluia. Gardez ce message. Retenez bien et à la maison, on va continuer à prier. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi. Voilà. Nous allons arrêter là. À partir de demain, bien-aimés, quelle que soit l'activité que tu mènes, mets une pause. Mets une pause à ton activité. Pour que tu arrives ici en pleine forme. Alléluia. Mets une pause. Mets une pause pour te concentrer, consacrer à ce programme. Alléluia. Parce que nous allons entrer alors dans les éléments très clés. Parce que nous venons de comprendre un certain nombre de choses qui vont nous aider. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement à être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit à la première dimension, ni t'arrêter à la seconde dimension, mais arrive à l'onction. Alléluia. C'est à l'onction que le Seigneur nous amène. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit est venu. Gloire à Jésus.
Il faut que alors tu sois véritablement oué. C'est pourquoi déjà commence à revoir ta marche chrétienne, la parole à laquelle tu obéis. Est-ce que réellement tu as la connaissance de la parole? Est-ce que tu obéis à cette parole? Chacun n'a qu'à s'examiner. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, comme on le dit. Ne sois pas un chrétien ordinaire. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien ordinaire. Voilà, ne sois pas un chrétien ordinaire. Ou toujours c'est la même chose. Oh, il y a quelqu'un qui est malade chez toi. Il dit, viens, on va prier. Tu pries, pries, pries seulement. Il y a des fois, le malade n'a même pas besoin de prier. Tu dis, mon ami, il y a quoi? Ok, allez, tiens, 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 tiens. Il faut prendre une mangue. Tu prends une mangue, tu pries sur la mangue. Tu dis, tiens, il faut manger. Il mange la mangue, il est guéri. Alléluia. À cause de l'onction, c'est comme ça. L'onction, c'est bénéfique. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses comme ça qui vont arriver. Tu as ta chaise, alors tu t'assois là, un malade arrive, et ce qui te vient à l'idée pour que Jésus soit glorifié, tu dis, ma soeur, viens. Tu as quoi? Tu es malade? Ok, je ne suis pas venu, je n'ai pas prié pour toi. J'étais assis là, il faut t'asseoir sur ma chaise. Elle s'assoit là, le démon de maladie, paf, s'en va, tu es guéri. Tu dis, ça va? Va-t'en à la maison. Alléluia! Alléluia! Oui, l'onction fait la différence. Mais l'onction ne s'accorde pas n'importe comment. Il faut avoir la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'onction. Voilà quelqu'un qui vient pour voler ta chaussure pour aller te faire du mal. Il ne faut même pas t'en faire. L'onction là, essuie ta chaussure. Il va prendre une chaussure, il va arriver quelque part là-bas. Tu le vois, il court pour venir. En train de courir avec un pied de chaussure en main. Il y a quoi? Il y a quoi? Pardon, il vient se coucher devant toi. Et j'ai pris ta chaussure. Je voulais aller te tuer. Voilà ça. Tu dis, oh, laisse tout partir. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. C'est l'onction qui fait la différence. Dis à ton voisin, l'onction fait la différence. Mais est-ce que Dieu donne l'onction à n'importe qui? Hein? Non, tu ne comprends pas encore. Est-ce que Dieu donne l'onction à n'importe qui? Alléluia. Oui, le passage qui est lu là. Jésus avait l'onction, viens. Il trouvait un malade. Le malade, il prend sa salive. Il n'a pas prié. Il n'est pas touché. Il a pris sa main, il a mis dessus. Et puis il est allé. Et puis le soumis a commencé à parler. Il n'a pas prié. L'onction fait la différence. Dis à ton mari, l'onction fait la différence. Alléluia. L'onction fait la différence. Voilà, pour un autre malade encore, là il a pris la terre, il a pris la salive, il a pris, et puis la salive, il a mis ici sur les yeux, et puis l'aveugle l'a vu. L'onction fait la différence. Dis à toi, l'onction fait la différence. Alléluia. 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 Oh, quelqu'un arrive chez toi parce que tu as l'onction. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, j'ai mon pied qui me fait mal. Ton pied te fait mal. Il faut commencer à courir. Il dit, non. Il dit, il faut courir. Quand il commence à courir net, la douleur s'en va. Hé, hey, je suis guéri. L'onction fait la différence. Dis à ton voisin, l'onction fait la différence. Est-ce que tu veux avoir l'onction, bien-aimé dans le Seigneur? Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui... Ils vont venir tourner autour de toi. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront jamais te vaincre. C'est là qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que tu as l'onction. Tu es Christ. L'onction fait la différence. Dis à toi, l'onction fait la différence. Alléluia. Dis, l'onction fait la différence. Quand tu as l'onction là, quelqu'un même qui va venir te payer du pain, il dit, ah papa, mon frère, ma soeur, voilà un peu de pain, j'ai payé pour toi. Tu dis, ah, bon, merci, que Dieu te bénisse. Pain là, quand tu manges, il s'en va là, arrivé là-bas, il revient, il dit, hey, quand il t'a donné pain, arrivé, quelqu'un m'a donné 10 000 francs. C'est l'onction qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Quand tu as l'onction que Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. L'onction fait la différence. Tu es là-bas. Tu as reçu l'onction pour essuyer le vide. Pendant que tu es en train d'essuyer le vide comme ça, pendant que tu étais en train d'essuyer le vide, un coup, pas, mon ventre. Qu'est-ce qui était en toi que depuis tu ne pouvais pas être guéri? La parole qui a été dit va essuyer vite là. Alors, pendant que tu es en train de faire, tu es guéri. Du coup, l'onction fait la différence. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.
Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Que Dieu veille sur nous au nom de Jésus. Que nous recevons l'onction véritable, l'onction vraie, pas l'onction de Saül, mais l'onction de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit, l'onction que David a reçue. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, va avec cette bonne nouvelle. Dieu nous appelle à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous appelle à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Oh Seigneur, mon Dieu, nous sommes maintenant à l'étape de l'onction selon la promesse que tu as faite. Et ce que tu veux, c'est que tous tes enfants reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Je veux ce soir te bénir, que chacun se rappelle cette parole, ce message. Parce que tu ne fais acception de personne. Pierre était un simple pécheur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il avait même certainement de la peine à nourrir sa famille. Mais voici un Pierre, par l'onction du Saint-Esprit, son homme guérit les malades. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je prie que Seigneur, mon Dieu, oh, tu qualifies chacun de nous en nous accordant à tous l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que les saints reçoivent l'onction du Saint-Esprit et que à travers le sang, les malades guérissent, les boiteux marchent, les sourds entendent, les paralytiques marchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction que chacun va recevoir, Papa, du Saint-Esprit, que dans la simple salutation, il y ait des miracles, il y ait des prodiges, il y ait des grâces, il y ait des bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, qui est comme toi? Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme te proclame. Car tu es le Dieu fidèle, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche. Seigneur, donne-nous la connaissance de ta parole afin que nous soyons qualifiés. Nous recevons l'onction, Papa. Éternel, l'onction fait la différence. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez, à demain midi. Voilà. Et demain soir encore.